Ceci est la situation. Tadam. On est tellement fatigués. On a essayé de tout préparer. Là, la valise. Voilà. Donc, aujourd'hui, on part pour la France et puis ça sera le Mexique après. Et on va passer à Playa del Carmen où j'ai mon appartement. On reste là une semaine et puis on va à Puerto Vallarta. C'est là qu'on a décidé d'aller vivre. On vous montre ça après. Ah, on est en France. Donc, voyage super long, on s'est réveillé à 6h30 ce matin et là on est à la gare, prêt pour prendre le train pour Montélimar et donc aller à la retraite. Et franchement, c'est trop rigolo parce que du coup, moi j'ai venu ici il y a 6 ans plus. Je me réveillais à 6h du matin et je devais venir ici à la gare pour travailler à Marseille. Tous les jours je faisais ça et venir ici, revenir à la vie que j'avais avant, franchement, c'est assez incroyable. Je vous recommande de faire ça de temps en temps parce que je pense que c'est un super exercice pour manifester ce que vous voulez. Vous vous rendrez compte du coup de tout ce que vous avez créé dans les dernières années et tout ce que vous pouvez encore créer. Votre vie n'est pas sûrement celle que vous avez avant. Donc, c'est incroyable. Ceci, c'était ma vie d'avant. On se voit tout à l'heure. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more. Explain it, and I don't know what to call it. All I know is I keep falling. I fall in love with you a little bit more, little bit, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more, little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I fall in love with you a little bit more. Fall in love with you. On est à l'avant-dernier jour de la retraite. Et se sont passées tellement de belles choses. Déjà, les lieux est incroyable. En fait, ces lieux ont été harmonisés avec le vasto qui est une architecture indienne, donc tout le lieu est vraiment harmonisé. On sent vraiment les énergies de ce lieu qui est en train aussi de nous transformer. On a fait tellement de beaux travaux, des thérapies, yoga, planification business, planification de la vie qu'on désire. On a parlé d'énergie, on a fait des soins énergétiques, on a fait tellement de choses. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une méditation dans une rivière. Après, je leur ai demandé d'avoir des pierres avec eux pendant tout le long de la retraite et de mettre dans ces pierres des choses dont ils voulaient se libérer. Donc aujourd'hui, on va se libérer de ces pierres. Aujourd'hui, on va les donner donc dans cette rivière. Et donc, on va prendre, on va faire du yoga là, en face de la piscine, comme tous les matins. On va prendre le petit déjeuner là. Et puis, on va marcher et on va se baigner dans cette rivière. On va donner aussi ces pierres dans la rivière. Il fait un peu froid, c'est incroyable. C'est août, mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il fait froid. En tout cas, je vous laisse pour aller me préparer pour le yoga. Always be here for you, oh, I hope I show it, just in case you need to know. I fall in love with you a little bit more, little bit, little bit more. Every time I think I've lost my way, I fall in love with you a little bit more than before. Even on the days I'm not so sure, I
fall in love with you a little bit more. Can't explain it, and I don't know what to call it. All I know is. Donc, on en est au jour après la retraite. La retraite s'est conclue. Et moi, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour vous décrire à quel point ça a été transformateur, même pour moi. À quel point ça a été merveilleux de rencontrer tous ces gens-là. À quel point j'ai attiré des personnes parfaites, vraiment alignées. On a fait du yoga, on a bien mangé, on a fait du coaching, des plans d'action business. On a créé la vie, le plan pour se créer cette vie qu'on veut. On a fait du coaching thérapie, on a fait des travaux énergétiques. On a fait tellement de choses, de yoga thérapie, de l'hypnose. Mais à part des choses qu'on a fait, vraiment, il y a une famille qui se crée. Vraiment, je trouve qu'une des plus belles réussites dans mon business dans toutes ces années, ce sont mes groupes. Dans n'importe quel programme où vous entrez avec moi, l'amour que vous ressentez dedans, la connexion, les liens qui se créent, en fait, pour moi c'est ma plus grande richesse et c'est ma plus grande réussite. Ces personnes resteront dans mon cœur toujours. Vous allez voir peut-être certains des vidéos de témoignages qu'elles m'ont envoyé suite à la retraite. Et encore une fois, mille merci à elles, le lieu magnifique, les hôtes magnifiques, mon partenaire qui a participé et a aidé pour faire des traitements énergétiques et de switch d'identité. Tout était parfait. C'est vraiment l'une des retraites la plus belle que j'ai faite et restera toujours dans mon cœur. Je ne sais pas quand elle sera la prochaine en France, en toute sincérité, mais je peux vous dire que la prochaine sera au Mexique. Donc restez connectés et si vous voulez vous mettre dans une liste d'attente pour découvrir toutes les nouvelles de la retraite au Mexique et des promotions, code promo pour avoir des réductions pour participer, cliquez ici en bas. Merci pour avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Pour moi, c'était chouette de faire un nouveau format sur la chaîne YouTube. Mettez-moi un like, abonnez-vous et encore une fois, si vous voulez participer à mes programmes, tous les liens sont ici en bas. Bye.